autre dimension, une autre galaxie. Un univers parallèle a été détruit. Voici surgissant du chaos et brisant la glace, les aventuriers animaux venus de l'espace. Maquis, Captain Maquis, ouais. Mutants and aliens and don't beware. Vous qui cherchez l'aventure, on vous invite. Voici Jenny Dead à Blinkier, Winnie the Week avec Maquis. Dans la bataille de l'univers, faut avoir des réflexes. Car c'est sans finir de misère, le rendu complexe. Et si t'as sur ton scalaire, des traces du PO, t'as plus qu'une seule chose à faire, détruire les crapauds. Bucky, Captain Bucky, ouais. Par là où nos allées, aucun lapin ordinaire. Si l'on anéantit ta juste indignation, and you fall an accelerator, rocket beat. Si t'as plus de solution, si tu perds la raison, appelle le lapin rusé, il va tout arranger. Bucky, Captain Bucky, ouais. You're looking for adventure. Jenny, quand laisseras-tu combattre X2? Bientôt, quand tu seras prête. Mais rappelle-toi, Alicia, ce sort ne peut être utilisé que sur une machine. Jamais contre un être humain, ni contre un cyborg. Ah, maître Jenny, j'ai appris cette leçon quand je n'étais encore qu'un chaton. Très bien, voyons ce que tu sais faire d'autre. Tu dois réussir cet examen si tu veux la permission de partir en quête initiatique. Maintenant, Alicia, attrape-le. Je l'ai. Oh, problème. Merci, capitaine O'Hare, pour avoir pris sur votre temps et nous amener Jenny pour cette importante occasion. Aucun problème, madame, votre grandeur. Et on est toujours content de rendre service à notre Jenny. Mais quelle est au juste cette importante occasion? Je suis désolé, mais je ne peux en parler avec des personnes extérieures. Oh, embrouille. Waouh. Ça ne sera rien, maître Jenny. Il est trop rapide pour mes sorts. Sans patience et sans calme, Félicia, un démon quark ne peut être mis en service. Tu dois apprendre à maîtriser tes pouvoirs. Oh! 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 Willy! Tu es blessé? Oh mince, c'est un faisceau à le débarrer. Oh, ils sont vraiment magiques. Oh, Jenny, je n'ai pas vu. Je veux dire, je voulais pas voir. Je veux dire, non. Willy, je sais que ce n'est pas de ta faute, mais tu as vu un des plus grands secrets des artificiers. Oh, je te jure, j'en parlerai à personne. Ah, maître Jenny, personne en dehors de l'ordre ne connaît les démons quark. Félicia, j'ai confiance en Willy. J'ai juré de ne jamais révéler nos secrets, alors on est en sécurité. Je promets, Jenny, je jure, croix de bois, croix de fer. Bonjour, je suis Willy DeWitt, ingénieur de la frégate des animaux unis. Ravi de vous rencontrer. Oh, enchantée, je suis la princesse Félicia, grande fille du grand artificier. Je dois bientôt partir en quête initiatique. Quand tu seras prête, Félicia, tu partiras. Oh, maître Jenny, vous êtes si pointilleuse. Je suis prête, je le sens. Crap horrible! J'ai localisé une source d'énergie puissante, provenant du centre de la nébuleuse du cœur noir. Laissez-moi voir ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas exactement, monsieur, mais c'est la plus forte source d'énergie stellaire que j'ai jamais vue. Navigateur, prenez le cap en direction du centre de la nébuleuse du cœur noir. Aucun de nos faisceaux ne fonctionne.
Ce doit être la perturbation ionique de la nébuleuse. Ça va mal. Nous serons perdus à jamais. Nous devons faire demi-tour maintenant. Machine arrière. Maudites soient ces espèces de pièces pour poubelles de l'espace, de deuxième choix et mal construites par les crapauds. Les faisceaux des variants fonctionneraient ici, monsieur. Vous savez ceux qu'utilise Bucky O'Hare. O'Hare, les faisceaux des variants. Gardez votre position pendant que j'actionne ma banque de données en mémoire. Oui, l'Aldébarian que j'ai combattu avait un étrange pouvoir. C'est d'un Aldébarian dont j'ai besoin. Merci, Jenny, d'avoir testé Felicia. J'espère qu'elle n'a pas trop mal pris d'avoir raté son test. Peut-être qu'avec quelques mois d'entraînement... Si elle peut apprendre la patience. Bien, ton capitaine attend. Adieu. Je pars en quête initiatique. Je vous prouverai à tous de quoi je suis capable. Crap horrible! Un vaisseau aldébarian vient d'apparaître. Activez les rayons de traction. Capturez ce vaisseau. Détruis tes vaisseaux. Je t'enverrai de l'aide. Vous me cherchiez? Je veux un sandwich banane, une salade banane, un milkshake banane... Et qu'est-ce que tu vas prendre en dessert? Des bananes? C'est ça, un banana split, avec une banane sur le dessus. Dis, où est Jenny? Elle doit régler ses faisceaux. Et je la connais, on ne la reverra pas avant qu'elle ait terminé. Bucky! Mimi, j'étais en route pour... Ah, ne sois pas idiot. Tu peux aller là-bas quand tu veux. Si tu venais voir les progrès de mon vaisseau, juste toi et moi. Bien, alors allons-y. J'ai des ordres stricts. Personne ne doit entrer. Oui, mais... Laisse-le entrer, Cyclore. J'ai fini là-haut. On peut... Terrible nouvelle. Felicia est partie pour sa quête initiatique sans permission et a été capturée par les crapauds dans la nébuleuse du cœur noir. J'y vais sur le champ. Willy, tu dois quitter le vaisseau tout de suite et emmener Cyclore. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de Felicia? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Vas-y. Sûrement pas. Tu partirais pas avec le vaisseau sans moi. Et qu'est-ce qui se passe si t'as besoin d'un ingénieur? Je prends le risque. Cyclore, garde à vous! Je suis programmée pour obéir, officier en seconde, Jenny. Mais c'est ma porte! Et tu peux pas partir avec ma porte sans moi! Voici, s'il arrive quoi que ce soit, je pourrai jamais rentrer chez moi! Oh, je vois que tu as raison, tu gagnes encore. Mais si les choses tournent mal, tu devras utiliser la porte pour t'échapper. Cyclore, enregistre ce message. Un jour, j'étais au marais avec une poupée pleine de verrues quand un gros crapaud buffle me jette de la face au visage.
Ah, Seymour, tu es tellement snob. Et puis j'ai découvert le programme de développement de la culture physique pour crapaud Arnold Krapodinger. Oui, avec le pouvoir crapaud d'Arnold Krapodinger, je n'ai peur de rien. Qu'êtes-vous en train de faire? J'ai ordonné de la torturer, crapaud sans cervelle. Pas de l'ennuyer. Sors d'ici! Tu vas m'emmener dans la nébuleuse du cœur noir. Pas question! Quoi que tu me fasses? Tu n'aurais pas dû dire ça! Il fallait que je prenne le vaisseau. Je ne peux expliquer les raisons sans trahir notre communauté. Si nous ne revenions pas, sachez notre fierté d'avoir été parmi vous. Jenny, terminé. Des chats. Ah, tout le monde sait qu'on ne peut pas les croire. Je croirai Jenny toute ma vie. Et j'ai pour elle plus de temps que je ne pourrais en compter. J'irai jusqu'au bout de l'univers pour l'aider. Si seulement je savais à quel bout la trouver. L'humble robot a pris la liberté de poser un moyen de localisation au vaisseau. Cyclor, tu es vraiment le meilleur. Entendu, tout le monde, on y va! Hé, hey, Bucky, dis-moi comment on va y aller. Bonne question. Je vais probablement le regretter, mais on peut prendre mon vaisseau. Venez. Horrible, c'est là, indignation. Ça, je le vois bien, espèce d'imbécile. Passez en alerte complète. Si la frégate des animaux unis, juste indignation. Relâchez votre prisonnière immédiatement. Nos canons Mazer sont bloqués en visée sur vos moteurs. On peut vous laisser dériver là pour toujours. Ouais, faut qu'il croit que c'est qu'un ardeuil qui s'occupe des armes. Pas avant que j'ai pu te réduire en bougie de métal. Si vous voulez ce que j'ai, vous feriez mieux de vous rendre sur le champ. Vous avez bien compris ce que je viens de vous dire. Rendez-vous maintenant, ou elle ne vivra pas une minute. Ne l'écoute pas, Maître Jenny. Maître Jenny? Que ferais-je de l'élève quand je peux avoir le maître? Donnez-moi votre réponse. D'accord, crap horrible. Voilà le marché. Vous laissez partir Félicia, saine et sauve. Et je vous emmènerai à l'intérieur de la nébuleuse noire, moi-même. Non, Jenny, tu ne dois pas. Silence, espèce de sang de navet. Crap horrible, ne la touche plus. Sinon, je n'aurai de cesse que de t'avoir démonté boulon par boulon. Vos menaces sont sans effet. Vous allez monter à bord de mon vaisseau immédiatement. Pas avant que vous n'ayez relâché Félicia. Si vous la voulez, il faudra venir la chercher dans la nébuleuse. Rompez le contact. Crap horrible! Ne retrouvera jamais son chemin pour ressortir. Que fais-tu, Willy? Je me prépare pour la bataille. Nous devons partir à sa recherche, non? Passe-moi cette porte et mets-toi à l'abri. Je te lâcherai pas au moment où tu as besoin de moi. Willy! Tu dois concentrer tes pouvoirs, pas vrai, comme tu l'as dit à Félicia. Comment vas-tu piloter le vaisseau et user tes pouvoirs en même temps? Très bien, ingénieur de Witt. Tu gagnes encore. Prépare le croqueur de crapaud pour le vol. Le croqueur? Mais il n'est pas équipé de faisceau Aldébarion. Nous, Aldébarion, allons dans cette nébuleuse pour nos quêtes initiatiques depuis des générations. Nous n'avons pas besoin de faisceau. Oh! Tu resteras ici perdu à jamais. Personne ne te retrouvera. Votre maître génie va venir. Vous, les mammifères, prenez trop soin les uns des autres. Libérez Félicia! Elle reste avec moi, le temps qu'on me livre le secret de cette nébuleuse. Passez devant. Willy, direction position 2.4.
C'est incroyable. Mon électronique hésite, s'affole. Ce n'est que le début. Nous pouvons faire demi-tour. Non, jamais. Au plus profond de moi, je suis encore un crapaud et c'est une partie de moi qui est toujours en activité. Qu'est-ce que c'est? La plus puissante et la plus dangereuse source d'énergie de toute la galaxie. L'ancien père créateur de tous les quarks. Toute cette puissance, pour moi, je boirai le pouvoir des étoiles elles-mêmes. Horrible, ne le dérange pas, tu n'as aucune idée de ce qu'il peut faire. Je ne t'ai pas fait venir pour des conseils, mammifère. Et ceci va te mettre hors de ma route. Du pouvoir de notre communauté. Nous sommes tout avec toi. Oh, ça marche! Il s'affaiblit! Il revient au combat. Oh, tout notre pouvoir, toute notre force. Regardez. Allez, allez. Félicia, Félicia, aide-nous. Envoie-moi ta puissance, Félicia. Jenny, j'ai tellement peur. Je dois les aider. Je dois me joindre aux autres. Jenny, je suis avec toi. Sers-toi de mon pouvoir. Eh, ces petits démons sont comme ceux du jardin. Est-ce que c'est d'ici que viennent ces démons quarks? Oui, très judicieux, Willy. C'est le propos de la quête initiatique. C'est ici que chaque Aldébarien doit venir pour acquérir la complète maîtrise de ses pouvoirs. On a réussi, Maître Jenny. On a renvoyé le quark à son sommeil. Sans toi, on n'aurait jamais gagné la bataille. Moi, je ne comprends pas. Je ne suis qu'une personne. C'est vrai, une. Tu es celle qui a fait la différence. Viens, Félicia. C'est le moment de prendre ce que tu es venue chercher. Oui, Maître Jenny. Du cœur de l'ombre, j'ai conquis la lumière des étoiles. Et la lumière que tu as acquise ne faiblira jamais. Ta maîtrise est totale, artificier. Retourne dans mon vaisseau, vite! On n'y arrivera jamais. Prenez ça, bande de débris! Une autre frégate mammifère, nous sommes dominés! Je capte un signal de crap horrible! Il dérive dans l'espace! Prenez ses coordonnées! Navigateur, sortez-nous de là! Regardez, c'est là je visque s'enfuir! Mammifère 1, crapaud 0. Ici le capitaine Bucky O'Hare, au second Jenny. Vous avez ordre de regagner Aldébaran avec la juste indignation. Terminé. Oui, capitaine. Oh, t'inquiète pas, Jenny. Il comprendra, tu verras. Activez le rayon de traction.
Qu'avez-vous trouvé, monsieur? Trouvé? Quoi? La source de puissance, monsieur, sur la nébuleuse. Quelle source de puissance? Quelle nébuleuse? Mais mes instruments disaient que... Les instruments ne fonctionnent pas. Minable chasseur de mouches, réparez-les. Oui, votre craporime. Bah, est-ce que quelque chose fonctionne normalement ici? La princesse Félicia a touché le cœur de l'ombre et en est revenue. Elle est désormais sœur pour nous toutes. Merci à toi, Eugénie. Tu es un véritable héros, Willy DeVitt. Oh, ça alors? Je sais que je ne mérite pas d'être pardonnée. Prendre ton vaisseau est la pire des choses que j'ai jamais faites. Mais oh, Bucky, dis quelque chose. Et que penses-tu de « Bienvenue à la maison » Oh. Dans une autre dimension, une autre galaxie, un univers parallèle a été détruit. Voici surgissant du chaos et pris dans la glace, les aventuriers animaux venus de l'espace. And aliens, and don't be worried. Vous qui cherchez l'aventure, on vous invite. Voici Jenny Dead and Blinky, winning the week avec Bucky. Captain Bucky away. And now, not dead and Bucky over and to watch. Dans la bataille de l'univers, faut avoir des réflexes. Car ces 100 milliards de misère l'ont rendu complexe. Et si t'as sur ton scalaire, t'es trappé du PO.